Haïtiens, haïtiennes, amis téléspectateurs, Channel du Savoir, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Espace du Savoir. Nous comptons entrer la caillou jeudi pour un nouveau moment d'apprentissage, de connaissances et de savoir. Côté jeudi sous plateau Espace du Savoir, eh bien, nous gagnons un invité pour la toute première fois qui prend le poté couleur li pour nous, qui c'est Ronald Forestal, qui gagne plusieurs chapeaux sous tête lui, qui c'est psychologue, qui c'est membre fondateur Fonaï Psy, qui c'est officier droits humains IMED. Nous te dit, il gagne un peu de chapeaux sous tête lui, qui je dis, vient porter couleur lui pour nous sur un sujet qui est vraiment intéressant que ou même ou doit connaît, si vous voulez connaître mode là, vous voulez comprendre mode fonctionnel, tout bon. Sujet assez mondialisation, nous allons parler de conséquences de mondialisation, qui est-ce, à qui est-ce les bénéfiques et conséquences les sous Haïti et qui ça Haïti bénéficie là-dedans pour ce faire, eh bien, nous allons parler de mondialisation de la pauvreté aussi et nous allons parler de nouvel ordre mondial. Alors, c'est une émission qui est vraiment, vraiment intéressante, mais qui est importante pour vous-même haïtien, que vous devez tendre du commencement jusqu'à la fin. Mais juste avant, vous connaissez, faut que nous fassions camper habituellement. Restez connecté avec nous, nous tenons tout de suite. Nous retournons bien rapide pour nous commencer mission. On a rappelé ou à sous plateau, à nous gagner avec nous Ronald Forestal qui jeudi après aider nous comprendre plus bien cause mondialisation, hein, mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial que lui-même par rapport avec compréhension on a relé toute théorie du complot. Et il est déjà là pour porter couleur lui pour nous. Nous dire bonsoir et bienvenue dans l'espace du savoir. Bonsoir. Bonsoir avec tout internaute qui branchait l'espace de savoir. Donc c'est un immense plaisir pour moi là aujourd'hui pour nous porter éclaircissement par nous autour de thématique ça, c'est une très belle thématique pour nous garder qui gens nous capables en profondeur fouiller pour nous regarder qui ça qui cache derrière mondialisation hein, et qui conséquences que ça gagne sur nous-mêmes haïtiens et comment ça affecte nous. Comment ça affecte nous dans vie spirituelle nous, comment ça affecte nous dans vie et physique, nous, comment ça affecte nous sur le plan économique, social, politique et tout ça. Donc, encore une fois, merci. Est-ce que pour l'invitation, ça, donc, Merci parce que vous te répondez oui pour porter couleur là. Et merci parce que je dis à vous là avec nous, vous accordez nos temps où. Et nous allons commencer rapidement, mais où qu'on est, ou là pour la toute première fois. Donc, il est nécessaire que le public là, lui-même, lui connaît qui est. Oui. Ok. Qui est-ce qu'on a le Forestal? Moi, c'est psychologue de formation, c'est entrepreneur. Moi, c'est officier droits humains. Moi, c'est cofondateur de la Fondation haïtienne de psychologie. Moi, tout participer dans l'élaboration. Samuel est institut haïtien de psychologie personnelle, qui sont l'école de développement personnel, qui toujours avec des formations, tout ça. Et en gros, c'est ça. C'est moi. Moi, c'est mon tout le monde. Moi, c'est mon tout le monde. Optimiste, quoi que Haïti a sorti dans sa lia. On m'appelle l'homme projet. C'est toujours mon projet pour montrer comment nous sommes capables de sortir. En gros, c'est ça. Alors, nous t'avons posé une question, oui, oh, mais oui, comme vous déjà dit que ou quoi que Haïti a sorti dans sa lumière, dans ce sens, bon me pose une question hein, parce qu'elle est bien tombée. Nous avons demandé justement pour qui, sur le plan psychologique, pour qui haïtien au même moment de travail. Bon, avant de parler de haïtien, puisque ça vient puis le parler sous ça. C'est d'abord ouais qui ça qui haïtien. Ça qui est haïtien. Pour nous venir haïtien, nous passons dans carrefour. Carrefour, nous passons dans carrefour civilisationnel. Carrefour, ça, c'est que trois grandes civilisations réunies. C'est ça que va être haïtien de nos jours. Donc, t'es déjà un habitant qui a habité Amérique, qui est intégré les Amérindiens. Et habitant, c'était un paquet de peuples qui était. Bien, nous disons un paquet de peuples, c'est-à-dire, t'es gagné des Toltecs, t'es gagné
des Mayas, ou t'es gagné des Taïno, ou t'es gagné des Siboney. Sinon, pour citer, tellement t'es gagné des peuples qui t'habitent là. Depuis l'humanité, t'es toujours gagné qui t'habitent là. C'est-à-dire, mon Zayo, nous ne connaissons pas combien de temps exactement que t'es gagné, que t'habitent là, dans l'Amérique, là, et surtout que t'habitent là, en Amérique centrale, là. Ça nous est Haïti, je ne le dis pas. J'en l'écris, hein. C'est-à-dire, Haïti, H-A-I-T-R-I, Kounia, il n'est pas toujours ça. Pourtant, c'était Haïti. Donc, c'est une petite différence, ça. Donc, et puis, on vient de joindre que Européens, qui viennent conquistar d'Olio, qui viennent là, les Ovinis, ils viennent au peuple, ils viennent une civilisation qui est très avancée. Ils viennent des séries de monde qui a vivre paradis, qu'il y a parlé dans la Bible, ils viennent des monde qui a vivre paradis, ça. C'est-à-dire, monde qui habille presque nu, avec des couronnes d'or, monde qui l'or avec diamant pour eux. C'est-à-dire, monde qui a bien zanou, c'est l'or, chaîne dans le c'est l'or, et monde ça, il y a vivre en société, que nous, que Européens ont traité de primitif. Pourtant, son type de société communiste, puisque toute bagarre est commun. Monde pas de gain de l'amour, il y a une forme armée, il y a une forme politique, il y a organisé en classique. Donc, il y a vivre là. Pas de bien question à la fin. Mon yot a vivre un bonheur, on capable de dire, quasiment absolu. Donc, là, Christophe Colomb vini, en 1492, il va être fasciné par gentillesse, mon sao. Il va être fasciné par souplesse, yo. Il va dire, mon sao parler une langue qui est douce, et depuis là, il a parlé, ouais, c'est poésie qu'il a fait. Effectivement, t'es gagné des sambas. Mon sao, t'es gagné littérature orale, bon chant, t'es conduit. C'est une civilisation très avancée. Mais par gentillesse, Mounio, Christophe Colomb, tout dans le carnet secret, il va dire que Mounsao, c'est des sujets et pour l'esclavage. Que si nous mettons Mounsao dans l'esclavage, c'est facile parce que il est gentil. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que Mounio va venir dans l'esclavage pour être capable d'exploiter l'or que nous avons, pour être capable d'exploiter les ressources que nous avons. Mais Christophe Colomb, on ne va pas connaître. Dans les années 1300, il y a des Noirs qui étaient venus là, des Noirs qui sortent en Afrique, qui viennent là, qui vivent avec nous. Nous avons Mounsa, qui est une plus riche, monde qui est plus riche sur la terre que le monde entier connaît, qui était en fait un voyage avec 200 bateaux qui viennent là. Donc, il y a des Noirs qui vivent parmi les Indiens, les petits avec, vivent tout ça. Donc, c'est ça qui va renforcer la civilisation amérindienne. Renforcement ça fait, on devient une culture qui est assez riche. Les Christophe Colomb venus ont installé l'esclavage. Et on nous compte que Indiens, Amérindiens typiques, ils ont mouru plus rapide à cause de l'esclavage que les Noirs, qui n'étaient pas si nombreux. Ça vient de l'idée pour aller chercher des hommes noirs d'Afrique. Parce que noirs là. Comme est triangulaire. Premier bateau qu'a cherché nous en Afrique là. Si nous bon on l'a saisi. Il était marqué Jésus. Il était marqué Jésus. Oui, parce que mission c'était évangéliser, civiliser. Donc c'est ça, al créer des guerres partout en Afrique, guerre ça yo va faire que yo arrêter des guerriers, des rois, des reines. Maintenant yo va mettre sous bateau et pour revenir c'est toute une calamité. Parce que faut yo passer plus passer 15 jours dans l'espace ensoleillé. Sans couverture. Ensuite, on va le faire de 15 à 22 jours dans l'autre espace qui est humide pour préparer pour bateau négrier parce qu'on est, on va le cacher dans le cadre d'un bateau qui va traverser l'Atlantique, qui va prendre des mois dans la route. Donc, il faut regarder est-ce que conditions, quoi, réunies, est-ce qu'on peut mourir dans la route. Eh bien, c'est comme ça, on va installer des guerres en Afrique, c'est tout un processus pour, et puis amener Mounsao en Amérique. Mettez-vous dans l'esclavage, esclavage pour être capable et profiter eux-mêmes. Là, c'est un type d'ordre mondial que c'est l'esclavagisme. Donc, Mounsao Kounia, Bral, il va profiter du travail Mounsao, il va profiter de main-d'œuvre, Mounsao, pour être capable d'enrichir davantage. Et c'est grâce avec Mounsao à travers le monde que l'Europe s'allie jeune et jeune. Donc, c'est sous souhait Mounsao. Et puis, on va le jeune français autour qui sortit en Europe. Qui viennent là. Donc là, nous avons trois civilisations qui rencontrent. Nous avons Amérindiens qui sont déjà là. Nous avons Européens qui viennent, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, plus tard,
les Français et pour les jeunes Africains. En d'un carrefour, ça, il y a un dynamisme de société qui va construire. Et c'est la créole noire qui va créer. Parce que les gens qui sont venus là, ce n'est pas des. C'est pas mon conseil comme ça, c'était mon qui était déjà avec tout savoir, yo, déjà avec toute connaissance, yo, yo vin là, tout, on capable dit tout blend des gens ici en Amérique. Donc, là, yo vin, yo pas de jam d'accord, esclavage, là. Yo pas de jam d'accord. Et pas d'accord, veut dire qui ça, nous obligé marron. Pas d'accord, veut dire qui ça, nous obligé rébeller nous obligé bataille. Bataille, là, prend plusieurs formes avant que nous vin atterrir 1804. Donc, là, nous vin atterrir 1804 maintenant, qui ça nous fait? Et c'est là où on rend compte que les Haïtiens, les humanistes, dans le sang, n'ont pas détruit tout blanc. Yo. Il y a des Anglais qui sont là. Après, nous avons des villes qui sont les Anglais. Il y a des Polonais qui sont là. Et même, il y a des Français que nous épargnons. Dessalines même, dit avec propre bouche parfois, épargnez-moi ce blanc, car c'est un bon nègre. Donc, Dessalines, dans l'humanisme, l'a épargné des blancs que nous avons bien besoin pour notre civilisation. Parce que tout le monde sur la terre, c'est nègre. Problème, question, il y a des gens qui ont plein de questions racistes à travers le monde, mais ils ne comprennent pas. Si vous venez à Haïti, question raciste, ça, là, tout résout. Parce que nous résoudons. Tout le monde, c'est nègre pour nous sur la terre. Ah, nègre, il y a pour Poutine, non, il ne sait pas jouer. Gon nègre, il y a Donald Trump qui a parlé à Haïti mal. On comprend. Donc, nous, le mot nègre, qui signifie cadavre en pourriture, qui était traité non de nègre, nous prenons même moi, pour nous montrer que l'humanité sortit en dedans. Et tout le monde sur la terre, c'est nègre. Des nègres à peau claire, des nègres à peau brun, des nègres à peau blanc. D'où, haïtien ou jeune ça, haïtien toute couleur. Ou jeune haïtien qui a des yeux bleus, qui a des cheveux si roux, jeune haïtien toute catégorie. Mais tout le monde ça, qui toute catégorie ça, ce sont des haïtiens. Donc, on a parlé de haïtien, c'est ça, nous voulons parler. Haïti originaire, là. Haïtien originaire, parce que Haïti, papa Jean-Jacques Dessalines, il a un sens bien précis, il définit comment ou haïtien. Jean-Jacques Dessalines définit pour haïtien, il faut qu'on bon père, bon fils, bon ouvrier, bon soldat, et surtout bon soldat. C'est-à-dire pour haïtien, de nature ou supposé bon. Donc ça, son valeur, c'est marque fabrique pour une haïtien. Et là, on va regarder où comment faire vivre là, côté de l'Union européenne? Est-ce que nous n'avons pas perdu, non, haïtianité? Est-ce que nous étions là dans le même? Est-ce que... Si vous regardez gens ça et là, est-ce que vous ne pouvez pas poser, est-ce que nous étions en petit calme dans l'haïtianité? Nous étions en pile dans l'haïtianité, non, puisque la bataille. Et c'est pour ça que vous même? Oui, nous avons pour ça. Et ce n'est pas seulement moi-même. C'est pléiade, c'est toute une école. Alors, par contre, sous son génome, je demande pour qui haïtien ou même Nabgoumé en fonction de tout chapeau et tout et cause ou embrasser. Voilà, Nabgoumé pour tout haïtien. Nabgoumé pour une nouvelle perception de l'haïtien. Et nouvelle perception ça de haïtien, li enraciné dans haïtien originaire. C'est-à-dire, Jean Noté, Jean haïtien doué. Parce que l'opre indépendance avec un credo liberté ou la mort, c'est pas simple et hasard que lui. Le remplacer liberté ou la mort ça par le remplacer par l'union fait la force, c'est pas même bagarre encore. Donc tout ça nous fait nous renforcer nos davantage. Donc nous supposer instruire, éduquer, informer de génération en génération sur ça que nier parce que sinon on a perdu l'identité. Et là nous dit instruire c'est pas seulement faire dans l'école, genre l'école bien que nous gros problème avec j'en appelle l'école. Nous supposons faire des films. Adaptez-nous avec temps moderne. Faire des films. Parce que film, cinéma seulement, nous avons une culture qui est tellement riche. Pas bien de Haïti sortir encore pour trois civilisations. Nous c'est le seul peuple sous la terre qui doit habiller comme les Indiens, qui doit habiller comme les Européens, qui doit habiller comme les Africains. Et qui doit habiller n'importe façon par nous. C'est le seul peuple noir sous la terre qui doit ça. Ou alors le carnaval, ou je on monte qui déguisé en héros de l'indépendance ou on nous compte que c'est habillement ou européen. Mais est-ce que tout ça tout pendant les points forts là c'est pas lui même qui vient causer tout problème ça qui vient qui faut perdre là si une civilisation pas synchronisée à l'autre et que en dedans
ou bien n'importe quoi, civilisation, yon a boumé pour prendre le dessus sous l'autre et quand même mener l'autre côté par rapport avec sa réalité à lui-même, les gens le forment où. Est-ce que tout ça, tout par cause qui t'a fait, je ne veux dire, ou bien haïtien, ou bien? Non, cause nous gagnons haïtien que nous gagnons là, c'est à partir des complots qui ont été élaborés dans le passé. Parce que dès que nous finissons prendre l'indépendance, ça, nous finissons prendre, 2 ans plus tard, on a assassiné l'empereur. Pourquoi ça a assassiné l'empereur? Et assassiner l'empereur, il va sortir Haïti, il va planifier Haïti. Comment? C'est pour la première fois en Amérique. On a parlé de l'Amérique du Sud, on a parlé de l'Amérique du Nord, on a parlé de l'Amérique centrale. Gagnons un groupe qui prend l'indépendance. Et ils ont créé une forme de pouvoir. Et pouvoir, ça, son empire. Après l'acte de l'indépendance d'Haïti, il mentionnait l'empire d'Haïti. Il faut ne pas jouer avec ça. Donc, c'est le premier empire de l'Amérique. Et empire, ça, le nègre. Donc, c'est mon noir qui fait. Donc, Haïti, c'est le premier côté sous la terre que mon noir bral, comme capable de dire ça, que mon noir bral ressuscité depuis l'Égypte. Depuis ça, mon noir t'est fait dans l'Égypte, l'histoire de l'humanité, pas parler de mon noir encore. C'est Haïti qui va le réveiller ça. Donc Haïti, c'est pas une mince affaire que nous. Haïti, son paquet de bagages. Haïti, c'est pas sans raison tout, après, que Haïti, et c'est là qu'on a compris. Donc c'est le premier empire noir de l'Amérique. Gouen envers nous. Il va pardonner nous ça. Donc, Haïti, c'est terre qui piraille sous la terre. Ma vraie dit encore. Haïti, c'est terre occidentale piraille sous la terre. Donc, faut faire très attention. Nous-mêmes, comme Haïtiens, pour comment pour nous positionner. Parce que nous ne pas demander l'autre pays aide pour nous écraser l'ordre mondial qui est établi. Nous pas demander l'autre pays aide. Pourquoi nous? Est-ce que c'est bon, nous allons entrer dans le sujet à la Saoudi à la oui, est-ce que c'est par rapport avec Haïti qui t'est écrasé au mondial ça qui t'est fait yon l'autre vin créer puis d'emblée et nous allons rentrer là dans la mondialisation qui s'allie exactement et qui ça Haïti gagne ouais la dame bien comment le vivre sur Haïti. Bon, la mondialisation où est son mouvement? Où est son courant? Où est une idéologie, toute idéologie qui cachait derrière? Où est échange? Échange qui gagne entre pays. Yo. Mais échange ça, yo a le bas ou des acteurs. Parce que pour gagner échange commercial, faut qu'on gagne des acteurs. Et acteurs, ça, c'est des institutions que. Mais institutions, ça, c'est moun qui l'a donné. C'est moun, c'est des hommes, c'est pas des dieux, c'est des hommes qui placés à la tête des institutions, maintenant qu'on mène au mouvement globalitariste, mais non un mouvement planétaire qui besoin accaparer de planète là pour faire échange. Donc il y a bon pour yo. Mais et l'autre pôle là lui-même qui n'est pas inclus dans mouvement. Parce que il y a conséquence mondialisation, il y a conséquence. Oui, on a gagné plus échange, on a gagné marché qui a plus libre. Oui, on a gagné ou bien des acteurs, oui, ou bien des organisations mondiales, par exemple OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ou bien ONU, ou bien un peu l'autre organisation FMI. Oh là, oui, c'est des organisations, que, oui, et organisations ça, yo gagne une idéologie mondialiste. Donc, yo vle gagne contrôle, gagne mémé sur tout le monde là. Mais, moun, dès que vous dites moun, ou dit ethnie, de pour dire moun ou dire race. Oula. Donc, l'on parle de moun, par exemple, l'on dit haïtien, bon côté haïtien sorti. Ou est dans le carrefour civilisationnel, nous montons là, ou est toute ethnie qui participait à la construction, nous, comme haïtien. C'est même genre, c'est qu'on s'allie pour tout peuple. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de mondialisation, il y a un groupe moun qui a la tête. Et groupe moun ça, il y a des connaissances, il y a des savoirs, il y a des moyens économiques, tout. Et connaissances, il y a des connaissances scientifiques pour planter des entreprises commerciales. Mais entreprise, ça, yo, pas oublié, dans le contexte mondial, c'est pas blague liée. C'est-à-dire, il y a un paquet
tendance que nous gagnons, bon paquet courant que nous avons suivi. Gain des courants, par exemple, nous pas trop parler de ça en Haïti. Gain moun qui pensait que c'est eux-mêmes qui doivent diriger l'humanité par rapport à couleur. Gain moun qui pensait par rapport à ratio, je suppose gain contrôle l'humanité. Sans discussion. Oula. Mais son faute grave que lié parce que tout monde c'est monde et tout monde au minimum que on supposé joindre, on supposé gagner. Par exemple, si on a parlé de droits que monde gagne, dans toute société, nous gagne des droits, qui est très important. En vrai, Haïti, il signe un pile décret sur question droit monde, droit à l'éducation. Mais pendant on a prêché droit à l'éducation, nous gagne un pile monde. Nous avons un analphabétisme qui est très élevé. Mm-hmm. C'est-à-dire que la population vraiment pas de droit à l'éducation. Or, nous tous connaissons très bien le peuple qui gagne un meilleur système éducatif, là, c'est le peuple qui va diriger le monde. Et s'il ne peut pas diriger le monde, ça vient, on n'a pas besoin d'écraser. Ça vient, on dit bien quoi. Ce n'est pas sans raison, ouais, chinois, yo, yo gagne un meilleur système éducatif à travers le monde. Ça va permettre de contrôler le monde là. Donc, lorsqu'il y a des hommes qui connaissent tout le travail Herbert Simon fait sur la question apprentissage, sur la question éducation, qui montre mais comment l'homme apprend, ils prennent connaissance ça, ils font des écoles privées, il y a des groupes, il y a des ethnies même, des familles, c'est dans l'école ça veut aller. Maintenant, ils ont une éducation de qualité, cependant, reste mon reste monde là pardon pas doté de même éducation ça. Quand on va parler de globalisation, planétarisation, on va parler de mondialisation, c'est-à-dire c'est où va le diriger parce que c'est eux-mêmes qui passent la meilleure université. Eh bien c'est l'instant ça qui fait nous te poser vos questions. Merci parce que on prend le soin pour étaler qui ça lié bon c'est m'a dit théoriquement parlant, j'ai au présent tout là mais qui ça lié. Mais là on va essayer de en réalité et si nous avons basé nous sur vraie raison, vrai objectif qui fait le monde qui crée la créer, ou bien ensemble de monde qui crée le créer la pour vraiment à qui objectif et à qui est-ce qui bénéfique est à l'heure. Et ça fait que tu poses des questions tout de suite avec ce que tu dis sur Haïti. Ou tu dis pas oublier que Haïti, ou après dire encore alors que Haïti c'est terre qui piraille sur la terre. Oui. Par rapport à ça, pour plus bien comprendre, on va laisser un creux dans la réalité et dans la réalité mondiale et par rapport avec Jean et Moun Sayo qui a contrôlé à Yowé Haïti et vous avez pris le soin pour dire par rapport avec couleur pour eux, je pense que c'est eux-mêmes qui sont supposé diriger le monde. Oui. Là, on a parlé de eugénisme. Eugénisme, c'est un courant qui dit que telle race est supérieure par rapport. Pas bien ça vraiment parce que la terre. Elle est nègre. Premier côté, je ne trace mon sur la terre, il commence, c'est en Afrique. Lucie. Donc, mon planète, la première côté, mon prend naissance, c'est en Afrique. L'Afrique, il peuplé mon noir. Dans le qui est plus ancien, yo, yo jeune des dessins, yo jeune des représentations. Là où est représentation, par exemple, où on dessine, on voit. Là où passe le dessin, ça, sur carbone 14, et puis on rend compte que le dessin, ça, il gagne, il y a 300 000 ans, 500 000 ans, 1 million d'années. C'est pas un simple dessin que lui. Dessin, ça, lui représenter, c'est représentation de ça, l'esprit monde capable de faire. Qui est différent de, là, on a parlé de nature et culture. Dès que vous êtes arrivé dans le dessin, ou dans l'art, ou par la nature encore, dépasser la nature. Donc, c'est un coup où vient un bon esprit, qu'on a cap guido, vers tout ça qui attire l'attention. Et à partir du moment que Australopithèque, lui destiné, yon non-grotte, lui fait, on peint, peinture rupestre, lui fait un dessin, ça c'est preuve que être humain lui évolue. Et c'est là l'humanité sortie. Donc, c'est mon noir qui crée l'humanité. C'est mon noir qui vient avec notion civilisation. C'est nous qui apprenons le monde là. Tout grec qu'on a étudié là, il force nous étudier dans le système éducatif noir. Et tout grec, yo. C'est au Kemet, ça nous est Afrique, je dis, hein. C'est là où tu as pris connaissance ça. Maintenant, tu prends connaissance ça, yo, de servir contre nous.
Il servit avec contre nous. Premier, ça a offert au bout les bibliothèques. La plus grande bibliothèque qui était, la bibliothèque Alexandrie, au bout les bibliothèques. C'est-à-dire, si vous avez au bout les bibliothèques, vous faites des attaques sur ces civilisations, il y a quelqu'un. C'est là, nous sommes capables de comprendre, pour nous faire un parallèle entre l'époque ça et Kounia en Haïti. Il y a des choses, de pour constater gain dans la société, il va arriver sur. Il va arriver. Gain loi, sur où vous votez là. Gen bagay ki va arrive au demain. Gen des courants ou en la société. Moun ki pou konnen konnen parce que société secrète qui a élaboré plan yo, yo konnen, yo gen des plans bien précis parce que nous on a fait avec moun, nous on a fait avec l'esprit. Et tout ça entre dans cadre et vraie raison et mondialisation. Oui. Parce que faut nous prendre ressources, faut nous prendre énergie, hein, nous diriger et pour avantageux pour nous. On va cap créer globalisation. Je vais créer mondialisation pour me créer un avantage. Je vais mettre le service moi, puisque mobile l'homme, c'est intérêt. Donc, j'ai besoin de vivre bien, j'ai besoin de créer paradis. Donc, ma force vient travailler pour moi, pour créer paradis pour moi. Et puis, l'offre de créer paradis, pas pas gagner une vie que je ne vais pas shooter, ou pas gagner pitié pour. Donc, ça, il s'est supposé comprendre. Nous, c'est un peuple, nous sommes responsables. Nous, c'est un peuple qui baille l'humanité, qui fouette l'humanité, parce que la révolution haïtienne nous permet que même blanc obligé corriger Kyle obligé changer un paquet de bagages pour la révolution haïtienne pour changer un paquet de bagages à travers le monde et audace que nous t'ai gagné tout à l'époque ou après Jean-Jacques Dessalines lui mandé aux Américains lui mandé pour l'acheter 3 millions d'esclaves. Tout ce que nous faisons pour l'indépendance, nous demandons d'acheter tout esclave qui aux États-Unis. Moi, imaginez, États-Unis déclaré indépendance en 1776, toujours un esclavage la caille. Oula. Maintenant, Haïti, il est toujours à boumer tout, il y a une guerre de récession, de sécession. Pourtant, Haïti lui-même qui proclame l'indépendance lui, en 1804, 1er janvier 1804, li déclare indépendance li et puis li tout KO système esclavagiste là et en plus li marché écrit tout gouvernement yo à l'époque toute grande puissance yo gon empire qui fait prendre naissance on parler de l'empire d'Haïti et empire ça li noir non monde esclavagiste raciste ou monter tête comme peuple et pour dire faut qu'yo respecte yo et pour demander acheter tout esclave qui gagne la caille yo parce qu'on besoin libérer tout le monde sur planète là. Donc, Haïti, c'est la mère de la liberté. Depuis Haïti, ouais, liberté. Il faut qu'Haïtiens comprennent ça. Ça, c'est philosophie panne. Ça, c'est philosophie panne, nous. Il est supposé ancrer dans la tête, nous, depuis l'école. Donc, bon, genre, on fait l'éducation. Parce que Haïtiens, c'est l'identité, nous. C'est l'identité, nous. C'est ça que nous y est comme substance. C'est ça que nous y est comme valeur. C'est ça que nous y est comme être. Nous avons âme qui forgée et c'est un encore fou, ça n'en parle là, que Hamza l'y forge. Nous, c'est créole, nous parlons créole. Quel que soit haïtien, même les doux, c'est chrétien pour occuper. Lui, je te dis glôle. Lui, fait si affaire pâle. Lui, qu'on comment pour connecter avec les ancêtres lui, je connais ça très bien. Même les doux, Haïti, haïtien 95% chrétien, haïtien 100% vaudouisant. Et nous pas parler de vaudou sorcellerie. À parler de pratiques qui donnent nos perceptions du monde, qui donnent nos compréhensions du monde. Et c'est ça, monsieur Hopper. Donc, il a fait tout complot possible pour pas quitter ou développer ça comme pensée. Parce que si on quitte ou développer ça comme pensée, on va développer concept liberté, on va développer concept spirituel, haïtien créé pour Dieu parle. C'est seul en Haïti, autant de parler de bon Dieu. Tout livre sacré parlait de Dieu, de Jéhovah, de Elohim. Mais en Haïti, il parlait de Allah. Tout côté sous la terre, il y a des représentations des divinités. Mais en Haïti, haïtien parlait de bon Dieu. Et bon Dieu, ça, haïtien a dit chaque jour, il y a des traces historiques. Bon Dieu, ça sorti dans le congrès ou cérémonie du Bois Caïma. Côté Bookman, Duty, pour adresser à un être supérieur à nous-mêmes et qui supposait aider nous dans le combat que nous avons fait. Et c'est là ça te dit, bon Dieu, mon noyau, qui en l'air caché dans le nuage, qui a surveillé
tout fin et geste nous, qui garde l'atrocité que colon a fait nous. Bon Dieu s'est demandé pour nous prendre la vie en main, pour nous faire justice. Bon Dieu s'est dit, faut nous libérer. Donc, du moment que un peuple, il y a une langue, un peuple, il y a une représentation divine, divine. Mm-hmm. Peuple, ça, il est en fort parce qu'il est en grande identité. Et c'est l'identité, ça, qui va le forger tout le reste du monde qui va le venir. Donc, nous avons besoin des hommes forts, nous avons besoin l'autre cérémonie, nous avons besoin d'autres cérémonies de bois caïman. Faut que nous soyons connectés, faut qu'ils soient connectés, et puis pour nous réfléchir sur comment nous voulons venir dans le monde mondial, ça n'a pas l'air. Cent ans plus tard, comment nous voulons venir comme haïtien. Ok. Alors, nous déjà avons arrivé dans le moment pour nous prendre une dernière pause, mais juste avant de nous aller, bon, demander, et selon compréhension, et pour nous, mondialisation est bénéfique pour nous, hein? Comment vous posez pion yo, et est-ce que tout c'est pour empêcher que la race noire ou de créer toute civilisation reprenne tout contrôle? Tout n'est qu'une question de contrôle. Le monde qui a contrôle l'humanité, c'est le monde qui a toute richesse. Donc, mondialisation, son courant, son mouvement, qui est basé pour moun yo, faire des échanges commerciaux et puis enrichir tête yo. Mais de ne pas parler de commerce, ou parler d'économie, ou parler de finance, qui va avoir des conséquences sur la politique du pays. Admettons que, ou son marché, ou gain 12 millions d'habitants, gain, yon, un tel, qui, pour lui-même seul, il gagne, par exemple, 200 milliards de dollars disponibles. Il décide de conquérir le marché, là. Ou même qui c'est un président, qui est élu par le peuple. Maintenant, où est-ce que ça va bon pour, ça va marcher pour vous? Pas marcher pour payer, il n'est pas entré dans la ligne directive, non? Ou pas accepter. Mais son gain encore éclaté. Ou pas qu'à en paix. Et à maître reprises, ça arrive, nous, à travers l'histoire. Nous avons même besoin à loin, nous avons regardé l'ancien président, et Jovenel Moïse, là, il rendait compte qu'il a passé dans farine, et puis il fait des choix, et puis choix, ça a coûté, a coûté la ville. On pense que c'est toujours comme ça. Moun qui gagne, force économique, là, les contrôler politique, là, contrôler culturel, là, contrôler tout et aspect dans la vie, non? Mais selon ça, nous comprenons que ça vient de faire une chaîne alimentaire que vous voulez nous pas gagner un monde qui a la tête, qui a contrôlé. Donc, c'est le sens ça, nous avons vraiment, selon nous-mêmes, selon la compréhension, qui est-ce qui a contrôlé vraiment, pour qui est-ce qui bénéfique, qui a la tête, et comment vous posez pion pour toujours gagner contrôle ça. Ok, information partout. Toute information, pas oublier, nous dit, nous c'est haïtien, et haïtien supposé qu'on est. Conception nous de haïtien, c'est toute bagaille c'est énergie, toute bagaille c'est vibration, toute bagaille c'est émotion, toute bagaille c'est affectivité. Donc, dans ce sens, ça, on prend information partout. Quelles sont les grandes entreprises? Quelles sont les grandes entreprises, par exemple? Pour l'instant, l'humanité est contrôlée par BlackRock. BlackRock, là, qui c'est un groupe de, plus gros groupe de financement qui vient à travers le monde, et eux décident de faire guerre, genre, eux décident de soigner le monde, là. Monsieur a qu'à lever comme matin, comme ça, il décide de dire bon, et on veut changer telle réalité. Et puis, il agit sur les guerres qu'il a faites en Ukraine, là. C'est une guerre qu'il a déclenchée pour un but bien déterminé. Parce que il y a dans la même vision globalisation, il y a des bagages qui ont besoin de faire, il y a des terres qui ont besoin de contrôler. Donc, il fait des actions bien déterminées. C'est là, après, la dangerosité qui vient dans la mondialisation. Par exemple, pauvreté, nous, pauvreté Haïti, liée à la mondialisation. Après, chaque fois, nous faisons choix pour nous sortir de nous, toujours bon, mais qui vient, quand il est là. Et on ne peut pas passer par là. Parce qu'il faut arrêter couteau et il faut arrêter à genoux. Haïti, depuis quelques années, nous a genoux. Et c'est pour ça que nous comptons des forces souvent, nous avons dit qu'il y a des organisations mondiales de pour venir dans un pays pour aider. C'est cloué au clou au plus là. Écoutez, pas d'aide, ça va exister, question d'aide. L'OAP aidé, on t'a supposé, bon, d'abord, soit aidé, ça montre que ou généreux. Soit aidé, ça montre que ou altruiste. Ou aimer l'autre là. L'amour. Ou aimer l'autre là. Mais l'amour, ça t'a supposé sans intérêt.
Quel dossier, si on entre là-dedans, là, la question aide, on a parlé là, on a saisi. Par exemple, aide Haïti après 12 janvier. Mm-hmm. Gestion aide à son bagage catastrophique. Haïti a besoin seulement 4 milliards de dollars pour nous remonter maintenant, pour nous venir sur le même pied de salle avec la Jamaïque. Mm-hmm. Nous avons besoin, besoin 4 milliards. FMI dit le bagage comme, que Haïti doit être comme, ça me bat un mari dans le journal. Mm-hmm. FMI dit que Haïti doit être comme, il bagage comme. Mm-hmm. Pour le bail, qu'est-ce qui est vide? Les États-Unis d'Amérique disent qu'est-ce qui est vide? La France dit qu'est-ce qui est vide? Je vais pas aider. Maintenant, les artistes du monde entier, pas oublier que Haïti, c'est le 38e pays qui plus célèbre à travers le monde. Pas bon, monde-là, qui pas attendu parler de Haïti. Oula. Mm-hmm. Donc, Haïti très populaire et sacrivé, il effraie tout le monde. Maintenant, toute planète-là, fait des collectes de fonds. C'est pas gouvernement qui a bail, c'est pas des instances et grandes organisations mondiales qui a bail, mais c'est population yo, avec cœur par rapport à ça Haïti représenté. L'autre point Haïti qui va aller de la Grèce pour l'indépendance, qui va aller du Congo pour l'indépendance, l'autre point Haïti qui va aller du Venezuela pour l'indépendance. Donc c'est ça ne fait plus bien aider et sans nous pas faire politique. Avec nous aider sans nous pas attendre rien en retour. C'est comme ça, oui. Mais lorsque tout artiste ça, à travers le monde, des acteurs, des gens qui sont très influents, fait des collectes de fonds, comme ça, dédié pour eux, jouer à Haïti pour nous remonter maintenant. C'est 14 milliards, oui, ils recevoir. Ils ont collecté 14 milliards. Donc, Haïti a besoin de 4 milliards, ils ont collecté 14 milliards. Même côté comme ça, le disponible, l'effectif, là, les États-Unis disent, et, quand on a commencé à sortir, qu'ils disent, gouvernement corrompu. CNN commence à dire, gouvernement, à l'époque, c'était gouvernement privé, gouvernement, ça va pas bon, gouvernement corrompu, mauvaise gouvernance. Faut pas qu'être dossier à sortir. Maintenant, quand on décide, ils disent, il n'y a pas qu'à bailler gouvernement comme ça pour le diriger. Donc, faut créer une instance qui pour gagner contrôle comme ça. Et ils créent ces IRH, et ils mettent Bill Clinton à la tête de série RH. Et puis, on va rendre compte que Cobb n'a pas entré à Haïti. C'est 1% qui entre à Haïti. Il a financé toute notre organisation. Donc, l'autre aider ou pas qu'à aider comme ça. Ou qu'à aider au monde pour détruire. Cobb n'a pas qu'à venir en Haïti et puis Cobb l'a détruire. Donc, question aide, il y a des spécialistes qui là, qui pour étudier comment aide là pour partir, comment on va aider. Ou pas aider au monde comme ça, ou pas mettre technologie dans le même monde comme ça. Ou qu'à mettre une technologie dans mon monde et puis, on rend compte que le monde est effondré. Mm-hmm. Au cas où une technologie en Haïti, on pense qu'elle fait bien, et puis la technologie ça peut aider, elle est effondrée, parce que par une éducation qui est liée à la technologie. Ça. Donc tout, absolument tout, passe par l'éducation. Mode l'argent, il y a beaucoup pour aider Haïti, mais qu'il est Haïti lui-même après pour l'aider peut-être. Ça est-ce que Maud l'a bien prêt pour aider Haïti? Maud l'a pas prêt pour aider. Ça, il connaît, il est représenté. Et il y a un bagage qui attire l'attention, nous, qui c'est pauvreté Haïti. C'est toujours mondialisation qui cause lui. Alors, nous parlons tout de suite qui s'allie, mais juste avant, on apprend toute dernière pause, nous. On apprend tout de suite. Retournez bien rapide pour continuation émission. On a travaillé au sous-channel du savoir, on va suivre émission Espace du savoir avec Ronald Forestal qui a porté pour le pour nous causer mondialisation hein, et comment les impacter Haïti. Nous avons déjà parlé de mondialisation largement et, mm-hmm. et maintenant nous arrivons où tu dis nous que mondialisation pauvreté Haïti après on est connu à la mondialisation c'est une responsable on va dire c'est seule responsable maintenant prends le soin pour dire nous comment que mondialisation lui-même les causes Haïti et après on est pauvreté ça qu'il y a qu'on est et surtout et aspect au contrôler et Haïti bon responsabilité, nous avons plaqué toute responsabilité hein, sous mondialisation. Hein. Mm-hmm. Parce que sont intelligents,
une façon qu'à contourner la mondialisation pour venir davantage. On prend par exemple la Chine, dans les années 40, qui vient avec une politique qui permet de transfert de technologie. Lui permet que ils viennent installer usine au Lakaïli, et maintenant, usine ça, usine chinoise. Donc, c'est avec une façon, tout, un côté positif, un tout, capable. Mais nous-mêmes, haïtiens, nous avons part de responsabilité, nous tous, par rapport à la vision que nous gagnons pour le pays, par rapport à l'amour que nous gagnons pour le pays. Donc, dirigeant nous, nous supposons en mesure, parce que nous toujours dit, c'est pas n'importe qui est capable de diriger Haïti. Parce que Haïti, pour monter comme ça. Politique en Haïti, ou après, c'est politique, c'est une parmi politiques qui est plus difficile à travers le monde. Parce que c'était à Kéopiraï. Donc, nous, plein des sociétés secrètes qui a gommé pour Haïtiens pas émancipés, nous, plein des organismes de gouvernement qui l'a qu'en Haïti. Par exemple, en Haïti, nous avons CIA qui est en Haïti. Et qui a fait un travail pour boycotter tout élan que Haïtiens capable de faire. Nous avons et service de renseignement secret français qui en Haïti. Ou là, même Israélien vient là. Je me saisis, moi-même, Mossad intéressé avec Haïti. C'est-à-dire, Haïti, pour un terre comme ça, il y a un peu de mise sous lui par rapport à la décision que nous prenons dans le passé. Nous faisons des tentatives pour l'usine venir implanter là. Après 1948, en fait, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a déporté Juffio par rapport à Hitler, qui a goumé pour Balmaï, on l'autre éclat. Si nous capables de dire comme ça, et puis il matériser ou bien tuer, faire des génocides sous Juifio. Maintenant, en plus, le pays paraît pour accueillir Juifio. Haïti, à l'époque, fait une sélection. Le gouvernement, à l'époque, ils font une sélection. Nous dit nous capables de recevoir, nous capables de recevoir, et, 5000 familles juives. Nous t'es prêts pour nous recevoir 50 000 juifs, 50 000 familles juives. Nous disons qu'on recevoir 50 000 familles juives. Nous disons que nous avons installé au Lagonave, nous avons installé au plateau central. Et eux-mêmes, ils ont besoin de voir pour nous venir avec toute technologie que ont gagnée, venir installer des usines, tout ça. Mais qui est ce pays qui est campé dit non? C'est les États-Unis. Ils disent non. Les juifs, ça, pas venir en Haïti. Maintenant, c'est secrètement Haïti pour mener des démarches, même là encore les États-Unis. La contrôler toute activité, nous. Il va l'accepter seulement 300, et il va l'accepter seulement 60 familles entrent en Haïti. Et 60 familles qui entrent en Haïti, hein, c'est des familles que les États-Unis sélectionnent. Mais qui famille pour là, parce qu'ils connaissent l'idéologie, qu'on qui travaille à l'idée, qui va venir créer une bourgeoisie que nous avons là. Son bourgeoisie contrôlée par les Américains. Et puis, qui dirige nous vers un but bien déterminé, qui pas but par nous, pas destination par nous. C'est, mondialisation, c'est ça. C'est toujours des complots qui apprennent. Pour être capable de contrôler un peuple. Il est contrôlé, ou contrôlé culturellement, ou contrôlé économiquement, ou contrôlé politiquement, ou contrôlé même sur le plan affectif, il a besoin de contrôler. Parce que il a décidé qu'on y a, qui est-ce qui doit épouser qui est-ce. Oui. Yo gen kontrol même sou, yo vle gen kontrol même sou famille yo. Et ça son guerre idéologique que lui. C'est-à-dire mondialisation qui participe ou après là d'essayer de décision qui a pris depuis dans le passé qui va mener nous là, nous rater la révolution industrielle. Parce que yo pas accepté de mettre l'industrie en Haïti, malgré ça Haïtien fait un pile effort pour nous camper des usines. Usines ça yo dans les années 80 en 86 lorsque le régime du Valier-Islan est tombé, globalisation, on va décider pour écraser l'usine sale. On va instaurer la démocratie, ouais, tout asco, cimenterie d'Haïti, on va écraser toute l'usine sale. Mais écraser l'usine sale, c'est pour être capable de venir implanter par eux, pour qu'elle vienne dépendre de eux. Donc, mondialisation, on va pas créer dépendance là tout. Ou t'es gagné, un paysannerie qui était vraiment riche. Parce que vrai banque là, c'est la terre. Vrai banque, c'est la terre. Ou planter une pomme, les bons pieds bois, qui a boire des milliers de pommes. Ou planter un pied mango, ça arrive à maturité, et puis, il y a des milliers de mangos. Donc, c'est plus bon banque, c'est ça. Ou acheter un cochon, il multiplie, dans trois générations, on presque 100 cochons. C'est-à-dire, si, ou, si,
élevage, tout ça, c'est bon. Donc, Haïti, c'est pays dans l'Amérique centrale qui vient plus cochon. Et après, depuis en 83, ils ont fait des pressions sur le gouvernement, ils font complot, ils détruisent tout le cochon. Ils ont crasé l'économie. Ensuite, ils ont crasé toute l'usine. Ils ont restauré. Ils n'ont pas installé en Haïti la démocratie. Ils ont installé en Haïti l'ineptocratie. Parce que depuis où vous parlez dans l'élection, c'est candidat qui est plus pauvre en projet, c'est candidat qui est plus pauvre en matière d'intelligence. Soit c'est lui international la financer, il y a un bon côté où vous voulez vivre avant. Moun qui dit dans le gros livre, il est en dit, c'est quoi le cas du pays. Et c'est ça qui mène nous, quand on nous réunit aujourd'hui. Il y a une technique, il y a l'argent. Tout le média, les médias de masse, si vous dites c'est un tel, vous payez comme vous en, et puis vous votez un tel là. De quoi comprendre la mondialisation, les contrôler et les médias. Oui, les médias. Par exemple, en Haïti, nous avons une culture qui est très riche. Nous avons une culture qui est très riche. Vous contrôler. Même aspect, ça, vous voulez contrôler. Vous avez des sanctions contre la musique haïtienne. Qui est-ce qui est à la tête de sanctions? Ça, les États-Unis. Tabou Combo à l'époque. Musique haïtienne a fait émancipation à travers le monde. Bah, je, tout le monde a connu la musique haïtienne. Gagner des sanctions, je prends. C'est-à-dire, partout, parce que y a un peuple qui émancipe à travers culture, l'île pas capable. Y a un peuple qui gagne un territoire qui stable, pas capable. Haïti gagne un climat stable. Haïti gagne plus bon climat à travers le monde. Ça m'engage, je dis. Haïti, numéro un dans les affaires climatiques. Eh, mais, y a une tendance pour faire mon couper tout pied bois bien dans le pays. Le fait qu'on ait payé à déboiser, c'est campagne nous fait. Pour déboiser le pays, pour créer pauvreté. Donc, sous un paquet d'aspects, vous voulez contrôler. Vous voulez contrôler. Sur le plan éducatif, comment vous contrôlez? Sur le plan éducatif, vous contrôlez parce que, premièrement, on va prendre nos langues qui parlent langue natale. Et vous imposez ça. On va prendre le ministre de l'Éducation actuel, il prend décision pour faire éducation en créole, il sort une note. Tout de suite après, l'ambassade. Ambassadeur de France descend dans le ministère, va le poser une question sous, et qui genre de décision ou pas qu'à passer de français, de langue française, là. C'est-à-dire, qui va pour ça gagner, moi, son pays indépendant, m'a fait propre éducation dans le pays, qui va pour ça gagner avec la France? Pour la France, a décidé la question éducation. Qui va pour ça gagner avec le Canada, qui a décidé la question éducation? Qui rapporte ça avec les États-Unis, qui a décidé pour question éducation. Donc, c'est nous-mêmes comme peuple qui supposons décider pour nous dire, mais quel type de vision que nous gagnons envers la société, mais quel type d'école pour nous faire. Et, faut que nous dépasser, comme capable de dire ça. Faut que nous sérieux sur ça. Faut que nous fassions l'école rigoureuse. Nous faire plus meilleure école qui est capable de gagner dans le monde qu'à faire en Haïti. Nous capables de faire. Parce que, des Haïtiens quittent le pays. Nous avons installé aux États-Unis, Canada, la France, tout le côté. Mais nous pas fait colonie. Donc, Haïtiens commencent à comprendre que nous sommes des Haïtiens. Nous sommes une race qui est forte, qui est puissante pour nous organiser, nous, économiquement, pour nous faire Haïti. Faut nous faire des colonies. Just pour Haïtiens, pas une banque, nous, en Haïti. Donc, imaginons une diaspora qui a injecté 4,5 milliards de dollars dans l'économie par année, juste pour ça, va qu'à posséder une banque. Or, par contre, banque là, qui gagne 4 milliards de dollars. C'est-à-dire, juste pour Haïti, c'est pour qu'on parle les plus riches que tout le monde qui a une banque en Haïti. Mais nous, pas qu'à faire banque là. Donc, tout le bagage, là, mais nous, au début, nous te dit, il y a un paquet d'aspects qui a été Haïti dans sa vie. Il y a des millions de possibilités pour Haïti sortir dans sa vie. Mais il faut gagner la volonté de puissance. Faut nous connaître que nous sommes très puissants comme Haïtiens. Et ça passe par les sentiments. Sentiments de patriotisme que nous gagnons, sentiments que nous gagnons d'amour que nous gagnons envers nous-mêmes, envers tête nous, envers l'autre là. Est-ce que là encore, et c'est pas victime ou victime parce que vous contrôlez psychologiquement. Nous avons en coulisses, nous avons dit parler ou t'es même allé jusqu'à l'autre pour l'école qui nous a gagné ou pas, ouais. En quelle représentation qui t'a gagné rapport avec la culture haïtienne là-dedans. Est-ce que dans ce sens, ça, c'est pas une façon encore pour dérouter ou faire parler, mais qui est souillé, voilà. Mais qui ça
Depuis 9 ans, tu façonnes les médias, la télévision. L'homme qui a des films américains, des films hollywoodiens, premier monde qui voit les victimes sont noirs. Oui. Suivent bien après. Léon Guerre qui a fait, premier monde qui voit les victimes sont noirs. Il pas seulement dans la question cinéma, il est dans la Bible. Tout. Il a diabolisé le noir. Exemple, vous prenez de kindergarten. Ou prenez, ou l'on parle de kindergarten, tu as gagné à ouer avec haïtien. Image, ou image vaut plus que 10 000 mots. Donc, l'on vient, ou bien l'inscrit petit peu dans l'école kindergarten, où elle est marquée, et, bah, qu'on est n'importe non que au cabali, hein. Et pour ouer, c'est portrait Mickey Mouse, ouer, c'est portrait et Donald, ouer, c'est portrait, il y a montré, petit œuf. Donc, ce n'est pas une représentation qui n'ont l'autre réalité, qui n'ont l'autre culture, que y a 20 ans. Parce que 6 premières années dans la vie, y a un monde très, très important. C'est dans 6 premières années, ça a que personnalité a construit. Donc, c'est là pour accentuer nous. Pour nous prendre témoignage depuis 9 ans, nous supposons un programme pour femmes enceintes. Parce que femmes enceintes haïtiennes, ils ne savent pas comment pour prendre soin de témoignage. Parce que nous sommes capables de dire qu'ils sont démunis en matière d'éducation. Il n'y a pas qu'on sent que le cas prend soin. Façon qu'un bon timoun ou abdal tété, ça construit personnalité. Façon que timoun a tété, ça participe dans la formation, dans la construction personnalité, dans la construction comme être. Façon qu'on joue avec un timoun. Pas même besoin d'où, façon que ou inculquer un timoun la culture. Façon que ou apprendre des notions de connaissance. Tout ça est très important. Donc, faut que nous allons timoun depuis 9 ans, depuis même avant que timoun n'en fait. La représentation que nous faisons de Haïtiens, nous disons, mais comment nous voulons Haïtiens venir? Nous voulons Haïtiens venir confiants, la confiance en soi. Nous voulons Haïtiens connaître, connaissance de soi, et ça passe par la culture. Donc, nous supposons entendre nos sous-aspects culturels. Nous supposons entendre, nous ne pas qu'on dit que c'est Haïtien, on dit pas vaudouisant. Mais non, nous avons les cultures, nous avons vaudou, nous avons le créole. Nous avons les cultures, n'importe. Vaudou, c'est un aspect de la culture haïtienne. Parce que ce n'est pas tout haïtien qui est vaudouisant. Certes. Mais comme étant donné que nous avons les cultures noires, vaudou, par conséquent, tout haïtien est vaudouisant. D'où vaudouisant, ce n'est pas vaudouisant dans le sens que Jean a diabolisé vaudou. Hein. Parce que c'est Occident qui faut sentir que son sensation est liée au peur diablant, parce que diable a son ougan, diable a... Non! Déjà, s'ils sont ougans, ils ne peuvent pas faire méchanceté. S'ils sont bocaux, ils ne peuvent pas faire méchanceté. Donc, c'est des informations que nous supposons connaître, que nous supposons faire la paix. Nous supposons faire la paix avec nous-mêmes pour nous chercher ça bon dans nous, pour nous exploiter. Parce que nous avons fait des et des milliards de dollars par année avec culture non seulement. Nous bien dit, nous pesons, nous avons fait des et des milliards de dollars par année avec culture. Bel, par exemple, bien simple. Bon film, Black Panthers. Film ça, le fait sorti, écrasé box office. Il fait plus passer 1,6 milliard de dollars. Depuis dans 2 à 3 premières semaines de sortir. Dans film ça, ils ont inspiré de Haïti pour le faire. Ils ont inspiré de Haïti. Et Black Panthers, qui sorti pas trop longtemps, ils ont fait hommage à Haïti. Qui est parti dans le film, là, il montre aussi Haïti, dans deux, il montre aussi Haïti même. Et Wall, il fait Haïti jouer dans le film, là, c'est même Wall ça que Haïti joue dans le monde. Haïti ne pas comprendre ça. Haïti ne pas comprendre parce que, en Haïti, il est contrôlé, non, par l'éducation. Parce que l'éducation supposée permettre que nous développer toute forme d'intelligence que nous gagnons. Et l'intelligence, elle est intuitive. Et pas vous choisir qui type d'intelligence pour gagner ou faire avec soit exceller en communication, c'est parce que vous avez une intelligence et linguistique ou faites avec cerveau, tout circuit qui va permettre que communication soit fluide ou faites avec tout naturellement. Donc, matériau qui construit, dit moun ça la exceller dans communication. Donc, si tu as une éducation qui fait pour Haïti, qui a défendu Haïti naturellement, ou t'as pris un haïtien conséquent? Un haïtien conséquent, parce que haïtien conséquent, c'est par rapport à l'éducation. Il y a 8 formes d'intelligence. L'école en Haïti développait 2 formes d'intelligence. Quelle que soit l'école où aller,
qui tout l'école et dans l'école congréganiste, qui tout l'école dans et l'État ou bien qui les privés, qui les publics, c'est deux types d'intelligence qu'a développé la CAO. L'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique. Donc haïtien bon jeune comprendre mon fort. Nous comprenons mon fort c'est lorsque le cas résout des problèmes mathématiques compliqués. Nous comprenons que on mon fort c'est lorsque il bon discours, il sait parler. Ah, il sait parler. Eh ben il sait parler, non mais c'est on parle français. On va parler français. Pourtant, il y a six autres formes d'intelligence que nous va développer. L'intelligence sociale. Problème qui vient en Haïti, c'est un problème qui arrive comme ça. C'est un problème qui arrive comme ça parce que monsieur qui vient zam la main qui a créé une sécurité, il a demandé pour parler. Il a dit nous voulons négocier, nous besoin sortir ensemble. Il a vient zam la main, il a souffri. Faut nous comprendre souffrance. Faut nous comprendre qui groupe moun yo plus attaqué dans société. Ou bien vous comprendre problème. C'est moun de la classe, les gens de la classe moyenne yo plus attaqué, qui plus victime de l'insécurité. Pour qui ça? Parce que la classe moyenne n'a une responsabilité sociale envers société. C'est nous-mêmes qui avons l'école, c'est nous-mêmes qui avons connaissance, c'est nous-mêmes qui pouvons faire tout ça nous connaît pour créer des écoles, créer des programmes, créer des universités, créer une façon pour haïtiens ça c'est bien pour le libérer. Donc, on ne peut pas faire pour ne pas avoir accès à l'éducation. Son crime, ça est. S'il n'a pas accès à l'éducation, puis devant les petits mouns, ça vient tourner un monstre qui est si bon à l'attaquer. Il va l'attaquer, les gens qui restent. Parce que la nature, c'est comme ça lié. C'est un système éducatif. Système éducatif, là. Oui. Faut nous comprendre. Et nous devons aller rapidement parce que nous avons déjà fini. Non, ça, ça est capable de nous. Et il y a un exemple pour faire son mondialisation et contrôler Haïti socialement. Il y a un exemple et sur le plan politique et sur le plan culturel, économique. Ok. Sur le plan social, comment la mondialisation a un impact, a une influence sur Haïti? Ou après, regardez les jeunes habillés dans la rue. Regardez comment tendance là dans la rue. Façon nous habiller, façon nous parler. Nous toujours gain des mots slang que n'a pas dans le vocabulaire créole. Nous toujours slang. Oui. Oui, nous comprenons ça que fait là. Oui. Nous avons intégré en dedans et créole nous. Donc nous toujours gagner nous penser que n'a mieux dans notre société que là. Haïtien pense que lui a réussi aux États-Unis, mais pas qu'a réussi en Haïti. Pourtant, Haïti, c'est sa terre. C'est faux, ça, son illusion. Il y a une bonne illusion qu'on pas qu'a réussi là. Mais plein de monde qui réussit là. Sur le plan social, il y a contrôlé nous. À travers, façon nous manger. Parce que nous parlons, Haïtien 4, dans les années 60, ans, il va consommer les gens Haïtien 2024 là. On peut consommer du riz en pile. Mais du riz, c'est on va toujours consommer du riz. Puis là, haïtien, c'est yam, c'est patate, c'est haïtien, c'est plus qu'on consommait. Haïtien consommer qu'on y a tout ça qui a rapport, yo pote ben nou pa bateau. Haïtien, autrefois, son poule mourir, haïtien pas, poule la mourir, pourquoi haïtien pas manger? Non. Faut haïtien tuer pour le manger parce que depuis le mourir, haïtien pas manger, ça mourir. Et ça vient créer la culture haïtienne, non? Mais moi, je vois bien on l'ouvre, car bah on cochon mouille déjà, non? Faut tuer le poule fraîche. Donc haïtien, bon gens t'es qu'on vive. Que tradition ça y est, nous rendons compte valeur ça y est, il va échapper nous par rapport à misère. Il est obligé de venir boire. Imaginons Haïti, une baleine qui passe. Nous sommes pays insulaire. Nous une baleine qui passe en Haïti avec qui passe. Depuis baleine passée, il y a des millions de poissons. Haïtien pas développé la pêche, il pas fait pêche électrique, il pas des grands bateaux pour faire pêche. Comme ça perdu, Haïtien obligé à acheter poisson pépé. Sur le plan politique. Sur le plan, oui. C'est-à-dire, sur le plan politique, maintenant, il y a contrôle. Il y a toutes les sanctions qui apprennent contre tout leader. Il prend des sanctions, il a disloqué leader, parce que il compte sa capette là. Il y a des pions qui n'ont pas avancé, leader, il a contrecarré ça, il prend des sanctions. Mais si leader, ça a été contre pouvoir, actuellement, Jean Monde l'Avigné, là. Si, monsieur, ça, t'es contre pouvoir, pour unir, et pour battre dans l'autre direction, pour t'as saisi, ouais, dans deux, trois ans, qu'a venu Haïti, sur l'autre Haïti. Donc, solution, l'île en main, donc, sur le plan politique, y'a gain contrôle, yo. Élection faite, OEA débat qui là, les okay, et même un petit pour président.
On dit non, mais c'est le résultat du KIP. Le candidat qui passe, il passe, selon les dires de René Garcia Préval. Et puis, non, nous ne connaissons pas ça, on dit, et c'est un tel qui bon. Et obligé de présenter un tel comme un qui bon. Donc, ça, il y a une pression politique qui fait ça. Et sur le plan économique, on contrôle les marchés, on ne peut pas produire rien, on crase les productions nationales. Mais pour écraser les productions nationales, c'est hommes politiques qui ont utilisé. Parfois, on n'a pas même comprendre, puisque nous pas en démocratie, nous sommes en ineptocratie. C'est des mouns qui parlent des compétences vraiment, que nous mettons dirigés pays et qui pourraient faire des séries de choix, qui pourraient mettre nos côtés de là. Donc, sur le plan spirituel, nous avons un gros problème. Le problème, c'est que, bon, il est vrai que nous n'arrivons pas à un niveau de la bataille de guerre spirituelle en Haïti, ou bien guerre à l'époque physique. Mais, nous pouvons. Mais quand il y a un esprit, c'est l'avion physique. Les cabines physiques. Parce que, m'a défendu Dieu pas, m'a défendu pas, on est obligé d'attaquer. On est obligé d'attaquer, on est obligé d'éliminer. Nous n'avons pas arrivé en forme extrémiste en Haïti, pas rien ça. Mais, nous rendons compte que, en Haïti, il y a un problème autour du bon Dieu. Parce que, Haïtien dit bon Dieu, mais par contre, ça le dit. Les protestants le disent bon Dieu, les catholiques le disent bon Dieu, les vaudouisants le disent bon Dieu. Les musulmans disent bon Dieu. Tout haïtien a dit bon Dieu, mais haïtien pas comprendre. Bon Dieu, ça a dit, hein, les différents du Dieu de la vie. Bon Dieu haïtien, les différents de Allah. Bon Dieu haïtien, les différents de tout l'autre Dieu. Et là, faut aller dans la mythologie haïtienne pour venir comprendre bon Dieu haïtien. Parce que haïtien, gonjan, les représenter mondan, gonjan représenter mondan spirituel, gonjan représenter mondan sur le plan physique. Et haïtien, les que gain bon Dieu. Ensuite, bon Dieu a tellement loin dans l'univers, il crie nous avec tout amour, et bon Dieu, ça ne va pas en contact avec lui, il met les loyaux là pour servir nous. Ça veut dire, loyaux, c'est esclave, nous. Haïtien, qu'on y a, et eux, c'est du loi. Loi, c'est l'entité qui l'a pour servir nous, on besoin de faire bagage, nous cherchons loi de bonne connaissance, on vient qui bonne pratique, la malfaite. Qu'on y a haïtien, depuis le devant loi, tout petit. Donc, nous faisons à l'inverse. Donc, sur le plan spirituel, nous avons un problème pour nous résoudre. Sur le plan économique, nous avons un problème pour nous résoudre. Pour nous prendre un destin économique nous en main, par exemple. Et ça, nous dit là, c'est des hommes et des femmes qui peuvent faire. C'est haïtien qui décide de faire banque dans le pays. Il est le temps pour haïtien qui a une propre banque. Depuis 1825, nous avons décidé de faire banque. Banque, ça n'a pas arrivé fait. Nous avons besoin de 1000 actionnaires. Nous te jeunes 469. Donc, nous te dit nous ne pouvons pas faire. Donc, il est le temps pour haïtien de propre banque dans le pays. Et diaspora haïtien n'est capable de faire ça. Il est le temps pour toute structure politique. Il y a Haïti d'abord. Avec un plan de 100 ans. Un plan de 200 ans. Rome planifié 100 000 ans. Pas 100 000 ans. Rome planifié 1000 ans d'histoire. Rome. Planifier 1000 ans d'histoire. Donc, Haïti, nous avons planifié 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans d'histoire, parce que nous sommes une nation qui est jeune. Nous sommes 500 ans d'histoire. Donc, il y a un paquet de bagages pour nous apprendre, il y a un paquet de bagages pour nous faire. Même le gain peuple nous était à l'aider qui dépassait, que nous prétendons qui dépassait nous qu'on y a. C'est nous pas qu'à ouvrir le conseil comme ça. Le gain peuple nous pensait qui dépassait nous, pas dépassait nous. Donc, c'est nous pas prendre des scènes en main. Nous avons une belle plage. Nous avons plus meilleur. Et sur le plan écosystémique, nous plus mieux placé. Sur le plan climatique, nous avons un climat qui est stable. Nous, ok, donc, nous supposons contrôler l'environnement. C'est-à-dire, Haïti supposé, bon, si Haïtien décide, qu'on a pour Haïtien, dit, bon, nous pourrons faire des îles artificielles. Haïtien décide, il dit, bon, maintenant, nous allons faire plage de l'autre façon. Haïtien décide de dire, bon, nous allons percer des tunnels, nous allons rapprocher du tout. Haïtien décide de dire, bon, nous allons faire que nous ayons une voie ferrée en Haïti. Il faut qu'il y ait un train en Haïti. Donc, en gros, et toute balade là, c'est volonté. C'est volonté. La volonté. Pour Haïti. Voilà, la volonté de puissance. Et ça, c'est l'école qui va le faire. C'est le sentiment, ça, au bal Haïti, maintenant, depuis notre Kim Negane. C'est-à-dire, toute image, ouais, devant Kim Negane, il faut commencer à passer. Quand on a commencé à rentrer dans l'imaginaire de Timounio, fait Timounio sentir bien, fait le sentir puissant, fait le sentir confortable dans le pays. Qui pour lui.
Donc, qui j'en comprends dans le monde, on teste nous les tests à test de la poupée. À travers test ça, nous allons estime de soi ti moun la et conscience ti moun la. Comment test ça fait? Ou prend deux poupées. On montre ti moun la, une poupée noire, une poupée blanche. On mande il pour choisir ça ti moun la. Selon ça li choisir ou getan avec. Non, ou fait l'identifier d'abord. Sou fait comme ça ou getan implicitement ou getan dire ça pour choisir. Ou fait l'identifier c'est quoi? Nous c'est deux poupées qu'on a montré, OK, d'accord. Deux poupées ça, comment on elle? Des yeux gagne un qui blanc, gagne un qui noir, OK. C'est dit ti moun ça, sens qui très développé, visuel li bon et auditif li bon, il répond par rapport avec. OK. Donc sont ti moun qui comprend, qui pas gagne des troubles d'apprentissage. Quand on demande ti moun ça et depuis la ti moun dans tout genre, il y a pas agence mail, ou après pas gagne tout bout. Donc l'autre dit ti moun ça qu'on y a là. Entre deux poupées ça gagne un qui les yeux noirs, gagne un qui entre deux gagne un qui bon. Est-ce que gagne un qui bon, est-ce que gagne un qui mauvais? Tout le monde dit oui. On dit le toucher au bout. Le toucher noir là comme étant mauvais, le toucher blanc comme étant bon. On dit qui est là dedans qui semblait avec. Ou gagne tout monde qui choisit blanc. Gagne tout monde qui choisit noir. Si monde qui choisit noir là, qui noir, qui choisit noir là, ou elle bon mauvaise représentation de lui. C'est tout monde dans salle là qui nuit l'autre tout monde qui tacle l'autre tout monde qui bat l'autre tout monde. C'est-à-dire, conscience, nous, je forge conscience, nous, avec un sentiment négatif, depuis dans le berceau, film, n'a pas gardé une image. Donc, c'est ça, nous corriger. Pour nous corriger à travers une politique culturelle. C'est-à-dire, monde qui va le ministre de la culture, là, faut que c'est pas n'importe qui. Faut que ce monde qui connaît. Et puis, qu'il va prendre des mesures. Il y a une série de films, faut que t'as banni en Haïti. Et faut commencer à créer tout le film qui vient à voir. Créer film. Donc, ouais, on va l'obliger à monter une industrie cinématographique haïtienne. Qui supposé financé par l'État, qui va créer le travail. Qui... Mais c'est volontaire avant. C'est volontaire avant tout. Après volontaire, tout bagarre. La volonté de puissance. Nous déjà arrivé le moment pour nous mettre en bout de l'émission. Rapidement, on va être capable de conclure et sujet ici là pour nous et quitter le numéro. Par contre, en passant, on est capable de contacter. Ok, d'accord. Volonté de puissance, on a parlé là, on a essayé de supposer guerre. C'est quand qui est sous et qu'on est puissant. Ou son monde, même là, tout le monde sous planète là. Donc, ou bien volonté pour faire. Et ou est capable de faire. Rete positif, rete très, très, très optimiste. Parce que il y a des millions de possibilités pour être sorti dans sa lia. Des millions de possibilités. Si nous pas sorti tête nous, c'est nous qui choisissons pas sorti tête nous. Mais nous sorti déjà. Donc, on demande pour me bailler au conseil. Oui, on conseille, on message, et puis ça, c'est un capable de contacter. Ok. Conseil, moi, c'est jeunesse, c'est jeune. Mm-hmm. Formez-nous davantage. Formez-nous davantage, parce que le monde qui est bien formé, c'est lui-même qui a plus de compétences, et c'est lui-même qui est qualifié, qui a besoin de qualification, et c'est lui-même qui a travail. Nous aimons l'argent, formez-vous tout d'abord. Tu vas avoir des qualifications spécifiques, et tu vas être capable de faire quoi. Donc, nous avons des formations toujours faites en psychologie. Formation, c'est très important. Si quelqu'un qui est intéressé à développement personnel, vous êtes capable de contacter moi. Numéro de téléphone, moi, c'est 44 16 56 16. Téléphone, là, c'est 44 16 56 16. Si quelqu'un qui est intéressé à devenir des agents en santé mentale, allez aider mon mieux. Faites décolonisation mentale. Aidez-nous, comprendre nous comme haïtiens, comprendre culture nous, aider l'autre monde, faire psychothérapie avec nous, faire counseling avec nous, nous bâillons formation, ça y est. Nous formons tous des aides médicales psychologiques. Donc, si quelqu'un qui est intéressé à être médical psychologique, parce que parfois, passer un bac à guérir, c'est parce que l'infirmière qui a travaillé avec elle, qui est sous l'IA, elle est malade d'eau. Parce que si, mental n'a pas OK, quoi, bac à OK. Donc, en gros, c'est ça, merci. Merci, c'était un plaisir de te dire, on a espace du savoir. OK, d'accord. Bon, c'est moi pour vous remercier. D'accord. Voilà, amis téléspectateurs, c'est comme ça nous mettons en bout une belle émission pour l'espace du savoir qui toujours est possible grâce à toute la staff channel du savoir là, grâce à la présentatrice Onelika Alexis et grâce à Ronal Forestal qui jeudi à tes côtés en pile belle couleur pour nous pour aider nous comprendre plus bien comment monde blanc est, comment la fonctionner et qui ça en gros qui t'a fait Haïti Jean Liéa et comment nous capable faire pour nous sortir dans ça nous. Nous disons merci
à vous même nos amis téléspectateurs, parce que c'est grâce à vous surtout qui fait espace du savoir capable de gagner sens et capable d'accomplir mission. Là, nous disons merci et nous bon rendez-vous bientôt pour une autre plus belle émission. Toujours été connecté avec nous.